Salut tout le monde, c'est Cristiano, voici mon pistolet, bang bang, ça c'est pour appuyer le like et s'abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore abonné sur la chaîne, et de toute façon, on y va. Pourquoi je suis dans une map différente? Parce qu'il y a un bug où les murs, quand tu deviens loin, ça bug. Et mon respawn de ma map est juste bugué. Donc j'ai décidé de changer de map pour qu'il n'y a pas de murs en fait. Genre des murs un peu comme ça, comme modèle, comme mur. Donc ouais, j'ai changé de map. Maintenant, ce sera la map que je vais rester pour toujours maintenant dans Fortnite. Et aujourd'hui, voici la 24.10 update. Et on a une nouvelle arme, de nouveaux objets, un nouveau véhicule et un tout nouveau unit. Et ouais, les gars, ça veut dire que c'est le meilleur update de cette saison, ça veut dire, hein? Ouais. On promet les nouveaux items. Bon, c'est ça. Pas de lancer, mais comme juste dropper ça. Alors, les gars, tant mieux, juste au fond, tranquille, plus près là. Mais de toute façon, voici les nouveaux items. Voici le premier. On a le Egg Launcher. Ça, c'est en anglais. En français, c'est lance-œuf. En anglais, c'est Egg Launcher. Ok, le Egg Launcher est enfin là dans ma créa. Il est enfin là. Cette arme-là fait 707 dégâts. Et j'ai pris un type légendaire parce que voilà. Voici quand je tire. Quand je tire, ça lance un œuf. Et ça explose. Et voici quand je zoome, quand je tire. Et voici quand j'avais reload. Voilà, ça c'était le Egg Launcher. Maintenant, on a deux nouveaux items. Comme Sumobo. On a le premier. On va commencer avec le vert. Œuf de soin. Donc on a les œufs de soin qui sont dans ma créa. Et si tu manges ça, tu gagnes des PV. Back PV, enfin. Oh, oups, j'ai peut-être mangé cela. Bon, tu vois, on va passer cela. Celui que j'avais mangé accidentellement, c'est le œuf de bon. Œuf de bon, quand tu manges ça, tu gagnes 10 PV et tu deviens un bouncing boy. Comme un lapin, un bouncing boy. Ça, c'était le bleu. Donc, ouais, le bleu premier. Voici le vert, donc voici le vert, le œuf de soin. Quand je mange ça, je gagne 10 PV et je régénère petit à petit. Un peu comme un sub juice, à peu près. Je suis maintenant un bouncing Vegeta. Je suis. I am Vegeta. Je suis un bouncing Vegeta. Ok, voilà. Blague, petit joke, des petits memes. Speak of memes. Demain, je vais faire des vidéos avec des memes. Parce que. Tous mes vidéos que je fais maintenant dans Fortnite, c'est que des updates. Donc on va faire des memes après le update. Donc ouais, avec tous les nouveaux trucs que je vous ai présentés. Maintenant je vais tester ça à Tom, le Egg Launcher. Hey Tom, est-ce que t'adores cette map? Si t'aimes pas, je te lance ça sur toi. Oh oh. Tom, t'as réflecté les œufs. Je peux dire que Tom il a 100% survécu ça parce que les œufs sont des bouncing boys aussi. Bon bah ouais, Tom il a survécu cette arme là. Et maintenant Tom se barre de là parce que je suis dans le bloc. La map que j'ai choisi c'est le bloc de chapitre 1. C'est la parfaite map pour le nouveau sandbox. Donc ouais. Voilà, ça c'était les nouvelles armes. Maintenant on va passer avec le nouveau véhicule. Introducing une voiture qui vient du futur. On n'a pas que les motos. Maintenant, on a une voiture qui vient du futur. Donc, ouais. Ça, c'est insane. Avant que je vous montre ça, j'ai un peu update mon arme le plus puissant du monde. L'épée, là. Ça, c'est pas une épée. Enfin, ça, c'est pas dans l'update, mais c'est moi que j'ai fait. En passant, on appelait l'épée Super Saiyan. J'ai plutôt appelé One Swing Man. Donc ouais, maintenant ça s'appelle One Swing Man. Maintenant ça s'appelle. Donc ça c'est cool. Je vais reprendre l'œuf et ça. Ok, anyways, back to dans le véhicule. Ce véhicule là, c'est une voiture qui vient des futurs. Ouais, c'est quand je pense. Cette voiture elle est quand même rapide. Tu peux klaxonner. Tu peux déparé. Et ouais, et en plus c'est le fameux drip. Le drip drift.
Donc si j'appuie L1 et que je fais ça, je peux faire un boost. Donc ouais, c'est un peu comme une voiture drift du golf là, mais dans le futur. Et c'est une voiture normale mais qui vient du futur. Je peux allumer et éteindre la radio. Je peux changer la radio. Et puis ouais. Un truc que j'ai oublié, c'est d'exploser les véhicules. En premier, les fenêtres. Deuxième, les pneus. Donc ces deux-là peuvent se casser. Et maintenant, tout le véhicule. Ouais, c'est comment la voiture du futur ensemble quand il explose. Quand il est dead. Et je crois que ce véhicule a 800 PV. Donc ouais, 800 PV. Comme la voiture normale, il a 800 PV. Ah oui, j'ai aussi mis les bombes là et tout ça. J'ai juste copié tout ce qu'il y avait dans la map ancienne de Sandbox et je l'ai mis ici. Et ouais, voici le Affini Health là. Bon, moving to le nouveau unit. Le nouveau unit. Donc je vais éditer cette vidéo pour ça parce que le World of Device il est complètement buggé. Donc je vais éditer ça parce que j'ai pas envie d'avoir mes vidéos qui sont buggées. Donc de toute façon, ouais, je vais éditer ça. Donc les gars, j'ai édité la vidéo et vous pouvez voir que le nouveau unit est juste ça. Vous répondez sur mon pensée. Oh bah, Xano, c'est un poule. Vous avez parlé trop vite. Regarde cette poule, comment il a fait. Ça, c'est pas une poule normale. Cette poule pond des œufs. Et le nom de cette espèce de poule s'appelle... Bon, je sais pas le nom, mais c'est une poule qui vient du pack. C'est un poulet de pack. Et la différence de ce poulet-là, il pond des œufs. Comme vous voyez en fond, hein. Donc ouais, c'est le poulet et la peur, un truc comme ça, il prend un œuf. Et ses bruits aussi sont différents, écoutez ça. Ces bruits ressemblent à une poule de femelle. Les poulets... Bon, les poulets ce sont des femelles et les mâles ce sont des coqs, mais de toute façon, vous comprenez que je vous dis là, que je dis là. Mais quand même, ce poulet il est tellement mignon comme il fait son bruit. On dirait un poulet normal, mais la seule différence qu'il fait, c'est qu'il pond des œufs. Genre là, il y en a trois là, qu'il a pondu. Je suis content qu'ils aient ajouté un autre unit. Et maintenant, c'est le moment que Tom va enfin attaquer ce nouveau unit. Qui ressemble à un poulet. Qui ressemble vraiment à un poulet. Sauf que il pond des œufs. Tom, j'ai la nourriture pour toi. KFC pour toi. Qui pond des œufs de Pâques en plus. Un truc que je vous dis aussi, que c'est avant dans les updates d'avant, depuis que les units ont eu des nouveaux skins et que j'ai vu les poulets, leurs skins étaient comme des poulets de Pâques. Maintenant ils ont ajouté ce poulet là, bon bah Fortnite ont juste mis vrai. Ils ont juste mis vrai et ils ont mis des poulets de Pâques dans le jeu. Genre c'est tellement drôle. Et oh mon dieu, combien d'œufs ils pensent là, ils continuent à spawn des œufs. J'ai déjà testé avant. Et je sais très bien que Tom a gagné celle-là, donc ouais. C'est presque la même chose comme les poulets normales, sauf qu'ils pondent des œufs. C'est tout. C'est juste un poulet de Pâques. Et si je pond, si je spawn 20, ouais, je vais pas spawn 20 dans cette vidéo. Je vais plutôt spawn dans la vidéo prochaine demain. Et on voit là que Tom il a vaincu le poulet de Pâques. Et ouais, Tom il a gagné. Tom elle a gagné enfin cette fois. Et puis ouais, maintenant je vais éditer cette vidéo cette fois pour celle encore une fois pour mon thumbnail. Donc voilà les gars, ça c'était le nouveau update de Mokra 24.10. Si vous aimez cette vidéo, appuyez le like. Et surtout, si vous n'avez pas encore abonné sur la chaîne, s'abonnez à la chaîne. De toute façon les gars, je vous dis au revoir et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye.